Salut à tous, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui mesdames et messieurs, retournons aux bases de ma chaîne, c'est-à-dire de tester des objets. Et quoi de mieux que tester des objets à 1€, mesdames et messieurs? Parce que oui, dans cette vidéo, on va tester des objets à 1€ que j'ai acheté directement chez Jiffy. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo chez Jiffy, je me suis dit pourquoi pas y retourner, tu vois. Et on peut dire que j'ai trouvé des produits assez intéressants. Bref, sur ce, avant de faire ce petit unboxing, je compte vraiment sur toi pour lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et à me marquer en commentaire si tu as déjà acheté un objet à 1€. Et puis sur ce, est-ce que vous êtes prêts à commencer cette magnifique vidéo? C'est parti! Bon les amis, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, là actuellement j'ai un sac rempli d'objets à 1€, ce que je vous propose c'est directement de tendre ma main à l'intérieur et de choisir un objet au hasard et on va découvrir ensemble l'objet en lui-même qui vaut 1€. Là tous les objets qui sont à l'intérieur valent en moyenne 1€, tu vois. Ou alors il me semble qu'il y a un ou deux objets qui valent jusqu'à 2€. Mais vous voyez tous les objets là, dès que vous rentrez dans un Jiffy et vous voyez 1, 2, 3€. Et bien, du coup je me suis baladé ici, j'ai trouvé plein d'objets assez intéressants. Bref, ce que je propose c'est de tendre la main et on va commencer par un objet, celui-là, je sais pas du tout, ok. Et ce premier objet à 1€, franchement, ça va vraiment nous servir, surtout en temps de canicule comme ça là. Parce que vous, je sais pas combien il fait chez vous, mais moi actuellement j'habite à Marseille, il fait pratiquement 35 degrés. Et en plus avec tous les spots et tout ça, je peux vous dire que j'ai vraiment chaud. D'ailleurs j'en parle pas souvent, mais si vous souhaitez me rejoindre sur mon compte Instagram, ben c'est juste ici les gars. Je fais plein de stories où en fait je montre des exclusivités que je montre pas forcément sur ma chaîne YouTube, comme les avant des tournages, des fois on fait des délires avec Pika et tout ça. Donc si vous souhaitez en savoir plus, mon compte Instagram qui est ici est dans la description. Bref, ce petit objet là, on va l'ouvrir tout de suite, c'est tout simplement un ventilateur USB mesdames et messieurs. C'est à dire qu'en fait, grâce à ce ventilateur, on va le brancher directement sur quelque chose qui peut être connecté en USB et directement ça va faire de la ventilation. Donc voilà, pour vous dire un peu, ce ventilateur USB va pouvoir se connecter à n'importe quel port USB. Là par exemple, tu prends la petite batterie externe, tu fais ça et apparemment, ben voilà, ça marche de suite, voilà, et du coup tu peux profiter. Oh, et franchement, ça fait du vent de ouf. Si jamais tu te mets prêt, tu sais, par exemple, t'es à la plage, tout ça, il fait chaud, tu te mets bien à l'ombre et tout ça. Franchement, là, tu te mets là. C'est pas mal, surtout pour 1€, c'est plutôt pas mal. Attends, est-ce que ça coupe? Oh, oh, quand même, ça fait pas mal, hein. Bref, les amis, je sais qu'il existe aussi des ventilateurs USB où en fait tu peux le brancher directement aussi sur ton smartphone. Donc ça peut être vraiment cool. Là, c'est vraiment que port USB, malheureusement. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je mets directement une note de 8 sur 10 parce que c'est 1€. Et ça ventile de ouf, mesdames et messieurs. Marquez-moi en commentaire directement. Ah ben, je crois qu'il est pété. Marquez-moi en commentaire directement ce que vous pensez de ce ventilateur. Et puis sur ce, on va passer au deuxième objet de cette vidéo. Alors vas-y, on va essayer. On touche. Et on va tomber directement sur ce produit. Ce produit, oh, alors ça, mesdames et messieurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ça existe réellement sous cet aspect? Les gens, est-ce que vous avez une piscine? Si oui, mettez hashtag piscine en commentaire. Mais même si vous n'avez pas une piscine, vous connaissez sûrement les espèces de frites. Tu vois, les frites où en fait, tu peux le mettre autour de toi et tu peux nager, tu peux faire plein de trucs avec des frites. Tu sais, le truc en mousse, je sais pas comment c'est. Et bien, figurez-vous que pour seulement 1€, j'ai trouvé une figure gonflable. Et ce que je propose, c'est de la gonfler maintenant. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment envie de voir comment, à quoi elle ressemble. Parce que si elle est petite, c'est assez dommage, tu vois. Et mais franchement, j'ai mis à peine 10 secondes pour les gonfler. Donc voilà les gens, une frite gonflable, franchement, et c'est pas mal, hein, franchement, là. Hein. On dirait limite un sabre laser, c'est... Ouais, bon, ouais, c'est pas non plus gonflé de ouf, tu vois. Tu le mets à côté, c'est presque pareil, tu vois. Bon, à part que ce sabre-là, il est bleu, tu vois. Voilà. Mais sinon, c'est un peu pareil. Attends, on va les faire combattre. On va arrêter là. Hein. Bref, pour cette petite frite, je donnerai directement la note de 7 sur 10. C'est facile à gonfler et franchement, ça fait le taf. Hein, si tu vas aller à la piscine, c'est parfait. Et le prochain produit de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va choisir? Attention, je mets directement ma main. Attention, hop. Directement un stickers. Ok, alors ça, pour tout vous dire, c'est une espèce de stickers. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est des stickers assez banals que tu peux coller un peu n'importe où. Et puis voilà, hein, ça vaut 1€. Bah après, vraiment, après, pour 1€, on va trouver des choses moins bien que par rapport à d'habitude. Hein, parce que bon, ça coûte 1€. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hein, faut pas s'attendre à un nerf, tu vois. Bon, où c'est que je vais pouvoir coller ça là? Moi, je dis, on va coller
les stickers directement sur mon téléphone, ça peut être bien. Voilà, on enlève, hop là, le premier sticker, là, en mode yes, là. Et bien, on va le mettre directement sur mon... Hop là, on le met. On le met ici, et le dernier, on va mettre celui-là. Allez, on va en mettre 3, juste pour le fun, et tu vois. Hop là. Et en plus, ça colle bien, c'est nickel, regardez. Là, maintenant, j'ai un téléphone vraiment badass avec ces stickers. C'est totalement faux, hein. Je crois que je vais les enlever parce que je pense, ouais, ça va vite me saouler. Mais en gros, voilà, c'est des stickers que tu peux coller n'importe où, sur ton PC, sur ta tablette, sur des écrans. Non, ne faites jamais ça. Bref, voilà, je vais pas m'attarder un an sur des stickers, mais vraiment, c'est vraiment pas mal pour un euro quand même. Un produit suivant, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on va prendre? Attention, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sens qu'est-ce que c'est et je sais ce que c'est ce produit. Les amis, j'en ai fait étant petit. Je parle bien d'un mini Diabolo, mesdames et messieurs. On l'a tous fait au collège, un truc de cirque ou je sais pas quoi là. Et on a tous fait du Diabolo au moins une fois dans sa vie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça coûte un euro. Allons-y, on va refaire un truc quand j'avais 12-13 ans, c'est-à-dire un petit Diabolo, les amis. Alors ça, je dis pas que je suis un professionnel, mais un petit peu quand même. Hein. Alors, le Diabolo, on les met ici, je vais vous faire juste une petite figure, hein, tu vois. Alors, Diabolo... Nope. Ça commence mal. Bon, on peut dire que le Diabolo, il est... Ça vaut bien un euro, tu vois. Ok, donc c'est un Diabolo, mais vraiment nul, hein. Parce que là, franchement, il fait... Attends, je vais essayer. Hop. Je dis pas que je suis un professionnel, mais un petit peu quand même. Hein. Franchement, mon talon Diabolo, il était bien quand j'étais jeune, mais là, ça va pas du tout. Là, vraiment, Diabolo, la note est de 0 sur 10. Hein, parce que franchement, on arrive à peine à tourner. Ensuite, dès que tu fais une figure, ça marche pas. D'ailleurs, vous, vous faites ce que vous voulez dans les notes aussi. Donc, n'hésitez pas à marquer en commentaire une note que vous mettez sur chaque objet de cette vidéo. Et aussi, très important, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos d'objets à 1 euro. Bon, en termes d'objets à 1 euro, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre maintenant? Attention. Attention, attention. Et c'est tout simplement OK. Alors là, quand j'ai vu ça à 95 centimes, c'est un truc vraiment, il ne vaut pas cher ça. Je l'ai acheté car c'est tout simplement des écouteurs filaires stéréo. Alors j'ai envie de vous dire un truc, soit les écouteurs stéréo sont tombés bien bas dans le terme de prix et du coup ça vaut plus rien à cause des AirPods et des écouteurs connectés et tout ça. Ou alors que tout simplement, c'est de la merde. Je vais les mettre directement sur un PC, je vais essayer d'écouter une petite musique rapidement, tu vois. Attention, je vais lancer la musique dans 3, 2, 1... Ouh! Ah! Ah oui, quand même! Ah oui, ok. Comment vous dire que, ben, c'est pas ouf. Un produit suivant, je crois que c'est l'avant-dernier, parce que, là, il y a un gros colis, et là, il y a un plus petit colis, je pense que je vais prendre celui-là, attention. Hop là! Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, tout simplement, les amis, je tiens à vous présenter une poire. Voilà, c'est une poire qui apparemment qui fait de la lumière. Parce que là déjà, tu peux l'accrocher et de deux, apparemment si tu ouvres là, tu peux prendre ici, tu mets sur on et avec lumière du soleil, tu vas pouvoir directement recharger un peu et ça va faire de la lumière. Sauf que là, lumière du soleil, il faut que je vous montre de là-bas en fait. Attendez, je prends mon téléphone et je vais vous filmer tout ça. Alors, si je le mets vers la lumière, ça devrait s'allumer. Et sur ce, ça s'allume pas en fait. Il faut que ça se recharge avant ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça se charge pas. Hein. Bon, soit j'ai rien compris, ou alors soit j'ai rien compris. Parce que là, franchement, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Ok, est-ce que je pense que j'ai acheté un truc qui ne marche pas? Franchement, ouais, je pense que ça marche pas, parce qu'en vrai, en principe, ça doit marcher, sauf que je suis tombé sur le seul qui ne marchait pas. Ça arrive, et puis voilà, bon, après ça coûte 1 euro, est-ce que je suis déçu? Pas trop. Mais je donnerai quand même la note de 0 sur 10, parce que ça ne marche pas. Et le dernier objet de cette vidéo n'est rien d'autre que là vous allez tous kiffer, hein. Je pense que vous allez tous kiffer, surtout ceux qui habitent dans le sud. Non, ce n'est pas une bouteille de pastis, mais c'est tout simplement un ventilateur, un nouveau ventilateur. On a eu le bébé, maintenant on a l'adulte. Il fait 21 cm, donc là hop, on va le mettre tout de suite. Oh, il y a un packaging et tout, et franchement c'est stylé ça. Attends, l'hélice, elle est tout simplement ici, ok. Oh, et franchement c'est qualitatif pour 1 euro. Enfin, je crois que c'est celui-là qui a coûté le plus cher. Je crois que là on est aux alentours de 2 euros, tu vois. On va le mettre ici, et enfin, j'ai vraiment envie de voir. Franchement, ça fait vraiment de l'air et tout ça, vraiment de l'air puissant, je le garde. Ça c'est un truc de ouf, attention. Je le branche sur ma batterie externe. Et est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Bah, ça fait du vent, mais pas de ouf. Limite, je crois que le petit fait plus de vent, tu vois. Un peu déçu, quand même. Attends, est-ce que celui-là, il coupe? Oh, oh, ah oui, quand même, ça fait un peu plus mal.
Oh, mais en fait, c'est une débroussailleuse, ce truc. Regardez ce que ça lui a fait. Franchement, eh, c'est plus une débroussailleuse qu'autre chose. Là, je pense que si quelqu'un a un jardin, tu l'allumes, tu vois, avec ta batterie externe. Et après, tu feras un petit peu comme ça, vers l'air. Allez, hop, c'est parti. Bon, les amis, moi, je pense que là, pour ce dernier objet, je lui mettrai une note de 4 sur 10. Tu vois, parce qu'après, voilà, ça a un petit sens. Ça fait débroussailleuse. Ça fait de l'air, mais malheureusement, ça fait pas tant d'air que ça comparé au bébé, tu vois. Et puis, sur ce, les petits potes, ben, moi, il n'y a plus rien, là. Là, il n'y a plus rien, donc bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est l'objet qui t'a plu le plus dans cette vidéo. Enfin bref, les amis, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Et si vous souhaitez vous abonner, bah, c'est juste ici. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo en votre compagnie. Et puis sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye!